Bonjour. C'est un jour merveilleux. Dieu est bon et tout le temps. Si Dieu est pour nous, je ne vous saisis pas. Si Dieu est pour vous, si Dieu est pour votre Église, je devais venir parce que il y aura un autre jour comme celui-ci seulement après 1000 ans. Il y aura un autre 10, 10, 10, seulement après 1000 ans. C'est un jour unique. Mais être humain est toujours négligent. Il faut se demander pourquoi ce jour? 10, 10, 10, seulement après. Dites cela à votre voisin. Vous faites aussi partie de cela. Alors, j'ai une question pour vous. Que sèmez-vous aujourd'hui que les générations à venir vont bénéficier? Souvenez-vous de Timothée. La foi qui était en lui était venue de sa grand-mère. Et de là, c'était descendu jusqu'à sa mère et enfin à lui. Qu'allez-vous laisser après que votre corps ait expiré? Qu'allez-vous laisser? Demandez à votre voisin. Si Dieu n'est pas impliqué dans quoi que ce soit, rien ne va changer. Vous avez tout essayé dans votre vie, dites à votre voisin. Mais Dieu n'était pas impliqué. Qu'avez-vous gagné? Demandez à votre voisin, n'avez-vous pas honte? Regardez-le dans les yeux et posez-lui cette question. Si Dieu n'est pas impliqué, rien ne va. Combien de fois avez-vous essayé? Vous faites ceci, vous faites cela. Comme Dieu n'est pas impliqué, rien ne va changer. Si Dieu n'est pas impliqué, rien ne va. Pata pata. Allez à l'est, à l'ouest ou au sud, rien ne va changer. À partir d'aujourd'hui, commencez à impliquer Dieu dans tout ce que vous faites. Si vous n'impliquez pas Dieu dans ce que vous faites, c'est un péché. Vous ne voulez pas que Dieu sache ce que vous faites alors qu'il voit. Vous devez impliquer Dieu dans ce que vous faites. Avant de commencer quelque chose, invitez Dieu. Viens Jésus, ainsi c'est bon. Si vous ne pouvez pas l'inviter, alors ne faites pas cela. Dites à votre voisin, si vous ne pouvez pas inviter Jésus dans ce que vous faites, alors ne faites pas cela. Dieu avait promis de récompenser tout celui qui le cherchera de tout cœur. C'est une promesse. Alors, on n'a pas besoin de la jalousie, l'envie.
ou l'amertume, il faut le chercher. Dites à votre voisin, Dieu a promis de récompenser tout celui qui le cherche de tout son cœur. Êtes-vous un chercheur de Dieu? Si vous l'êtes, vous ne devez pas avoir la jalousie ou l'envie, parce que ce que les autres ont, Dieu vous le donnera aussi. Alors pourquoi la jalousie, l'envie? Comment? Vrai ou faux? Voilà. Nous devons commencer par là. Au lieu d'être jaloux de celui-ci, parler de celui-là, faites seulement ce qui est correct et cherchez Dieu. Vous ne pouvez pas chercher Dieu et continuer à faire ce qui est mauvais. C'est impossible, pratiquement impossible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous devez vous humilier. C'est tout. Vous devez commencer un nouveau millénaire sur un bon départ avec Dieu. Aujourd'hui, il n'y aura pas un autre jour comme celui-ci. Que la joie, la paix, les bénédictions, le confort puissent commencer dans votre vie en ce jour du 10-10-10. Vous avez lutté pour longtemps. Dieu a vu vos larmes. Mais c'était à cause de vos choix. Faites un bon choix aujourd'hui. Si vous faites un bon choix, il n'y aura pas de larmes. Dites à votre voisin. Si vous faites un mauvais choix, vous aurez des larmes et des larmes. Vous allez vieillir avant l'âge. Vous aurez des rides partout sur votre face. Et quand on vous demande quel âge avez-vous, vous dites 19. 19? Approchez-vous davantage de Dieu. Vous devez vous humilier aujourd'hui. Vous devez présenter vos excuses et vous repentir aujourd'hui. Tout celui qui était venu vers lui, disant « Pardonne-moi », il n'était pas rejeté. Mais c'est l'orgueil qui nous empêche d'aller vers lui. Lorsque vous venez vers lui, ne vous justifiez pas. Il connaît tout. En cherchant à vous justifier, vous voulez prouver que vous êtes correct. Dites à votre voisin. Je ne vous saisis pas. C'est-à-dire, vous n'allez pas recevoir un pardon total. Il y a un pardon partiel et un pardon total. Lorsque vous êtes totalement pardonné, votre vie sur terre sera comme au ciel. Vous étant chrétien, vous êtes surmené. Pourquoi? Demandez à votre voisin. Vous étant chrétien, vous êtes sous pression. Pourquoi? Je pensais qu'un païen devait venir vers vous disant que vous êtes unique, vous êtes différent. Pourquoi êtes-vous comme ceci? Vous lui dites que c'est Jésus. Jésus-Christ doit être votre vie dans ce millénaire. Jésus-Christ doit être votre but. Mon but, c'est d'être comme Jésus-Christ. Dites à votre voisin. Je ne vous saisis pas. Encore une fois, si cela était votre but, vous auriez arrêté toutes ces absurdités. Et quand vous serez comme Jésus, vous n'aurez pas besoin de quelqu'un pour vous dire cela. Vous allez le savoir vous-même. Votre façon de penser et de faire les choses, vous le saurez. Votre but, c'est d'être comme Jésus. Et votre futur, c'est Jésus lui-même. Votre futur, c'est qui?
Voilà, nous allons commencer à prier. Et vous allez dire à Dieu, projetez cela sur l'écran. Dieu, ne permet pas que je vive jusqu'à la vieillesse étant inutile. Dieu, ne permet pas que je vive jusqu'à la vieillesse étant inutile. Pourquoi vieillir étant inutile? Mieux vaut mourir. C'est par là que nous allons commencer. Où? Je ne vous saisis pas. Après que j'ai compté jusqu'à trois, nous allons tous ouvrir nos bouches, disant que je ne dois pas vieillir étant inutile, et après vous allez vous humilier. Vous connaissez les choses inutiles que vous faisiez. Vous les connaissez. Vous allez vous repentir de tout cela. Jésus-Christ ne peut pas laver ou pardonner quelque chose dans l'obscurité. Tout doit se faire dans la lumière, parce qu'il est lumière. Tout ce que vous allez cacher, Jésus voit et connaît cela, mais il ne va pas vous pardonner. Vous devez vous repentir de tout. C'est pourquoi, quand vous êtes dans la communion avec lui, il est la lumière, et quand vous êtes aussi dans la lumière, rien n'est caché. Qu'avez-vous caché? Souvenez-vous de Moïse en Égypte. Il avait tué un Égyptien, et il avait caché son corps dans le sable. Que cachez-vous? Aujourd'hui, nous sommes au 10, 10, 10. Ne cachez pas. Aujourd'hui, faites sortir tout cela. Exposez cela. Aujourd'hui, vous commencez un nouveau millénaire. En un jour favorable comme celui-ci. Les années qui viennent devant vous sont favorables. Alors, repentez-vous de toutes choses et vous verrez ce que Dieu va faire. Même ce que vous aviez enterré 30 mètres en dessous, et c'est là où vous les aviez cachés. Dieu avait vu cela. C'est ce qui vous tue maintenant. Soyez libre aujourd'hui. Débarrassez-vous de ces choses. Ceci, cela. Pardonne-moi, Seigneur, et vous verrez ce qui va se passer. Ça va. La provision est dans la promesse. Alors, si le récipient de la promesse n'est pas digne, la promesse ne va pas amener la provision. Vous pouvez avoir la promesse, mais vous n'êtes pas digne pour que cette promesse se réalise. Purifiez-vous. Préparez-vous. Vous pouvez avoir une partie du ciel ici sur terre. Demandez à votre voisin, voulez-vous une partie du ciel ici sur terre? Je ne vous saisis pas. Le problème avec beaucoup d'entre nous, nous prétendons. Dieu ne peut pas bénir celui qui prétend. Il ne peut pas. Ça doit être quelqu'un qui est honnête. Quoi que ce soit, il dit que me voici, j'ai besoin d'aide. Dieu vous aidera. Mais si vous prétendez, vous ne faites que perdre votre temps. Pour que vous soyez libérés de vos limitations, pour que vous soyez libérés de vos échecs, pour que vous soyez guéri de vos maladies, vous devez dire la vérité à Jésus. Dites à votre voisin. Pour que vous soyez libéré de vos limitations, pour que vous soyez libéré de vos échecs, pour que vous soyez libéré de vos maladies, vous devez dire la vérité à Jésus. C'est tout. Mais vous, vous mentez à Jésus qui peut vous aider. Ces limitations vont continuer. Cette malédiction des générations continuera à vous suivre
Parce que vous ne dites pas la vérité. Vous donnez à cela un nom scientifique. Pourquoi ne pas dire la vérité à Jésus? Seigneur, voici ce que je vois dans ma vie. Voici ce que je vois dans ma famille. 1, 2, 3. Nous avons besoin de ton intervention, Jésus. Dire la vérité. Pas cacher cela. C'est une autre saison maintenant. C'est une autre saison. Certains d'entre vous aujourd'hui expérimenteront pour la première fois les bénédictions de Dieu. Ils les sauront. Pour la première fois, ils diront la vérité et ils sauront qu'ils sont libres. Je ne sais pas pourquoi j'avais gardé ceci pendant si longtemps. Je ne sais pas pourquoi je luttais avec Dieu. Je pensais que Dieu était comme un homme. Non, il n'est pas comme un homme afin que vous puissiez vous moquer de lui. Vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Sortez de vos limitations aujourd'hui. Sortez de vos échecs aujourd'hui. Sortez de n'importe quel lien familial. Vous devez avoir votre propre identité. Et pour cela, vous avez la réponse en vous. Vous n'aimez pas ces limitations, mais vous ne voulez rien dire à Jésus. Vous n'aimez pas ces échecs, mais ça ne fait que venir. La confusion dans la famille. Commencez d'abord avec vous-même. Purifiez-vous. Que les autres voient, ainsi ils vous suivront. Tout ce que vous n'aimez pas dans votre vie aujourd'hui, refusez cela complètement. Pleurez, quoi que ce soit. Ne vous contentez pas de votre beauté terrestre, plutôt la beauté céleste. Les maquillages que vous avez mis vont disparaître. Vous serez une nouvelle créature. Si vous n'aimez pas la manière dont vous êtes, soyez né de nouveau. Dites à votre voisin. Encore une fois. Quand vous êtes né de nouveau, vous serez fier de vous-même. Plus de limitations. Une cage d'échecs. Une cage de déceptions. Une cage de maladies. Détruisez tout cela. Soyez libre aujourd'hui. Vous étiez dans ces cages depuis longtemps. Ces cages ne vont pas se détruire d'elles-mêmes. Vous rappelez-vous des lépreux? Combien étaient-ils? Vous pouvez être purifié aujourd'hui. Les lépreux étaient venus vers Jésus. Ils étaient 10. Et ils lui ont dit, « Nous savons que tu peux nous purifier. » Faites de même. Vous êtes lépreux. Allez vers lui pour la purification. N'allez pas vous justifier. Voilà ceci ou cela. Non, écoutez, vous n'avez rien qui peut vous qualifier devant Jésus. Rien du tout. Recevez seulement sa miséricorde. C'est une grâce. Recevez le pardon. Un pardon total et vous verrez comment votre vie va changer. Des fois, nous pleurons parce que nous ne voulons pas changer. Mais si vous pleurez parce que vous avez réalisé vos erreurs, c'est merveilleux. Mais vous pleurez parce que vous ne voulez pas changer. Pourquoi cet homme parle de la sorte? Je vais demeurer comme ceci. Il doit arrêter. Non, je n'arrête pas. C'est pourquoi je suis ici. Je suis ici pour vous. Sortez de cette cage. Vous savez dans quelle cage vous êtes. Dieu est celui qui promet et il tient à ses promesses. Il est aussi celui qui accomplit ses promesses. C'est seulement Dieu. S'il vous plaît, vous pouvez prendre la position qui vous convient pour briser cette cage de déception, cette cage d'échec, cette cage de maladie, cette cage de limitation, la malédiction familiale, et dites à ces esprits que aujourd'hui c'est 10, 10, 10. Je veux que ma génération et moi et la génération à venir
soit béni. C'est le combat spirituel maintenant. Tenez-vous debout. Le combat spirituel. Vous pouvez crier, rouler par terre ou faire quoi que ce soit. C'est maintenant le combat spirituel. Regardez dans votre famille. Regardez votre frère, sœur, mère ou qui que ce soit. Vous n'aimez pas ce que vous voyez dans leur vie. Dites ce que vous voulez pour votre vie. Prophétisez dans votre vie. Voici mon désir, Seigneur. Disant que quand je serai parti, ceux qui viendront après moi, qui ne sont pas encore nés, qu'ils marchent sur mes empreintes, que ce soit facile pour eux. On leur dira que c'était votre grand-père, votre oncle, votre cousin. Ça sera facile pour eux de marcher dans cela. Rendez la vie facile à ceux qui viendront. Dites à votre voisin. Afin qu'ils servent Jésus en paix. Après que j'ai compté jusqu'à trois, nous allons crier le nom de Jésus trois fois et prier. Une, deux, trois. Vous n'êtes pas sérieux. Si vous étiez poursuivi par un lion, allez-vous crier Jésus comme cela? Je veux que vous puissiez crier comme si Satan vous poursuivait. Une, deux, trois. Oui! Plus fort! Pleurez, marchez, gémissez. Ce que vous n'aimez pas dans votre vie, dans votre famille, la destruction qui est là, la déception, les limitations, les maladies, les malédictions. Cela. Affrontez cela et mentionnez le nom. Prayer! Aujourd'hui, c'est votre jour. Il n'y aura plus un autre jour comme celui-ci. Entrez dans votre destinée aujourd'hui.